Hey yo tout le monde, c'est Soku, bienvenue pour ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Et l'histoire inversée de Yu-Gi-Oh! J'ai oublié de mettre mon timer, mais c'est pas grave. Allez, on va attaquer la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Normal, et là, Yugi, c'est pareil, l'esprit du puzzle, c'est que c'est un ancien pharaon. De l'Égypte ancienne. Il était pharaon il y a 5000 ans. Il doit... pour comprendre ses origines, il y a un tournoi qui est créé par Seto Kaiba. Alors, problème de ce dueliste, il s'appelle Jack Hunter, c'est qu'il utilise des cartes Exodia. Mais le problème des cartes Exodia, c'est qu'il a en 3 exemplaires. Donc ça va être pas facile à gagner contre Jack Hunter. Voilà, j'aurais fait ça quand il y avait les Odias sur le terrain. Bon voilà, je peux faire que ça. Je peux me défendre. Je vais attendre avant d'utiliser ma carte piège, qui me permet de piocher, mais attendre de sauter contre le Cerbrial. Non. Ce duel va vraiment pas être facile. Donc là, je vais activer ma carte piège. C'est pas grave. J'ai déjà des parties Exodia, mais... Je vais piocher deux nouvelles cartes. Je vais activer Crounoir. Je vais activer ma carte, cette carte magique. Je vais me défausser de ça. Et... Ah, j'ai besoin encore des épées. J'ai encore croix toi. Je vais activer ça. Ça, ça m'intéresse point. Cette carte magique m'intéresse point. Marmite de vérité. Bon. J'ai à nouveau les épées de l'invocatrice et je pourrais piocher deux nouvelles cartes grâce à cette carte piège. Il me manque... il me manque une partie des Odia. Je pourrais gagner grâce aux Odia. Je vais attendre un peu. Je vais attendre la fin. Voilà. Hop. Oui, je vais activer ma carte piège. Qui me permet de piocher deux nouvelles cartes. Exodia, c'est bon! On a eu de la chance. On a gagné grâce à la carte Exodia le maudit. On a bien joué une carte. Et on va contrôler le roi des magiciens. Et heureusement qu'on avait Exodia. Ah, le joueur en premier. Arcanin, le roi des magiciens. J'ai quoi invoquer tout de suite mon magicien des ténèbres. Je vais attendre une fois par tour, c'est bien mon niveau 4 que vous prenez. S'il peut attaquer. Attaquer d'un moment, mais envoyer au cimetière à la fin de la battle phase. Ouais, c'est pas mal cette carte magique. Ah, c'est quoi? Ah, bah non, je peux pas. On va pas utiliser cette carte piège. Je
des fosses cachées. Je vais voir si je peux attaquer directement. Non. Un tour pour les épées. Gazelle. Ça va être pas facile. Ah, j'ai mis couteau. Ah, mais je crois que j'ai obligé pour les magiciens. Le squelette me faisant là que si je vais activer ma carte piège. Ah, je peux pas contrôler ma. Ah, c'est un monstre normal. Ah ouais! Voilà, fin de CSP Lumière Velacris, mais je pense que Forme Miroir ou le cercle d'envoûtement n'est pas loin. Voilà, force miroir, je savais. Et non, c'est une carte piège. Là, j'ai pas compris l'effet du oiseau bleu là. Magicien des ténèbres. Allez, on continue. Là, la série va reprendre un peu mieux. Là, vous aurez que du Yu-Gi-Oh! Pendant la semaine. Tant que je réfléchis, je vais faire une parodie. Peut-être sur Minecraft. Je vois comment je vais la faire.
Ouais, je vais faire une parodie sur Minecraft. Je vais voir comment je vais la faire. Mais il y aura une petite parodie. Il peut pas attaquer. Allez, j'ai pas le choix. Je vais le dégommer. La magicienne. Alors, je vais faire magicien attaque, je vais se mettre en mode attaque, je vais attaquer avec mon moineau, et je vais utiliser son effet, voilà. En moins, j'attire pas ma carte de piège, ça va sauver l'ensemble. J'aurais gagné. Ah mince, j'ai oublié l'effet de ma carte. J'ai oublié l'effet de ma carte, mais c'est n'est pas grave. Je vais faire ça. C'est ça, la carte piège. Va pas me demander tous les deux secondes est-ce que je vais attaquer ma carte piège. Deux magiciens, est-ce que ça va être suffisant? Allez, attaque de la magie noire. Et le dernier coup. Et voilà, c'est terminé. Je nous offre la magicienne des ténèbres. Dans le prochain épisode, nous allons contrôler un Setoraga qui a piégé Wheeler. Je l'ai joué, Wheeler. Au fait, je m'écris plus les noms de famille sur les titres de mes chaînes. C'est un peu chiant.
même si ça Mai ça se dit mais, mais bon ça c'est Mai. Et voilà. Ensuite on a le silencieux contre Yogi qui contrôlait Cipher, le dragon du ciel. Après on va aller sur le dirigeable pour combattre Bakura. Après c'est Oignon Jésus qui a donné Obélix, le tourmenteur à Kaiba. Et le ensuite on a le contrôle l'arène, le contrôleur de Dragon et Ledora et le team duel Yami, le pharaon contre son alter ego Yugi Yuto. C'est lui qui en fin de compte est le maître du jeu quoi. Il va devenir le duelliste à battre. Le duelliste à maîtriser. Mais moi j'ai hâte de faire quand même les dieux égyptiens quoi. Voir si je peux les invoquer. Mais sans vilain les cartes de dieux égyptiens, vous allez voir. Sans très très vilain. C'est sur cet épisode qu'on se termine. N'hésitez pas à aimer, à partager. Je vous montrerai au courant pour la parodie de Minecraft. C'est pas une chanson, c'est une petite vidéo, sur Minecraft. Il y aura des jeux. Je vais essayer de convaincre certains joueurs de jouer des rôles. Un noob, le PGM. Celui qui pense qu'à lui, une petite parodie façon secours, voilà. Je vais voir comment je vais la bricoler, comment je vais la créer. Et je pense que je vais la tourner à... Je vais voir. Si je la trouve marrant, je la fais. Et si je la trouve pas intéressante, je vous le ferai pas. Mais voilà, je vais essayer de bosser sur une parodie de Minecraft. Sur la chaîne YouTube Soku49, n'hésitez pas à commenter si vous aimez ce style de jeu Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas prêt d'être fini. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Il y a Top Gun. Il y a Top Gun aussi. Ouais, je tourne Top Gun comme prévu, mais je vais voir avec les joueurs. C'est la rentrée, donc moi je voudrais tourner Top Gun avant mes fins de vacances. Après il y a la reprise du travail et je pourrais que tourner en soirée. Là j'ai du temps et je pourrais tourner milieu semaine, vous l'avez le soir. Je pense que voilà. Allez, c'est tout ce que je voulais faire sur le point de la page, non, de la chaîne Soku49. C'était pas je viens de dire Soku49. N'hésitez pas à commenter, à aimer et vous abonner. Et c'était Soku49. Salut les gens!